papa prophète, réponds-toi. Décourageante, elle fait fuir ceux qui veulent prier. Connaît toutes les rues et avenues de Brazzaville comme un taximène. En plus, il vient de recevoir le prix Nobel de coureur des jupons. De nuit. Le matin, il va à son église divertir les enfants de Dieu. C'est vraiment de l'abomination. Des quêtes et des dîmes pour avoir son fonds de commerce. Vraiment, tu es un escroc. Escroc, escroc. Kangama, Kangama, on va t'arrêter. Prophète, attention. Assemblée au Dieu. Assemblée au Dieu. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi par papa prophète. Papa prophète. Oui. Je veux être baptisé. Très bien. Le baptême est payant. 10 000 francs de la tenue plus les droits. Ça te fera 25 000 francs CFA. Mais papa prophète,
Sais-tu que le baptême est gratuit? Hé, ne me donne pas la leçon. Choisis, tu veux ou tu ne veux pas. Ça devient vulgaire, même dans le soi-disant grande église. Gang, 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 gangama, gangama, papa, prophète. Gangama, gangama, papa, prophète. Papa, prophète, yo. Vraiment, tu es mauvais. J'enseigne ma femme, oh. Vraiment, tu es dangereux. Tu as créé une chorale pour draguer les filles d'autrui. Ça suffit, papa, oh, ne gaspille pas l'avenir de demain. Oh. On vient de le surprendre avec une fille pendant les heures de délivrance. C'est vraiment irresponsable. C'est sérieux. À cause de la pauvreté et la misère, les églises naissent comme des champignons dans nos pays. C'est très dangereux. Les faux prophètes sont partout. Ils s'autoproclament comme ils veulent. Mais parmi les faux, les vrais hommes de Dieu sont là. Ceux qui travaillent intégralement pour Dieu et non pour leurs propres intérêts. Que Dieu le Tout-Puissant les bénisse. À vous les fidèles, attention au vagabondage religieux. Il y a seulement un seul Dieu créateur que nous tous nous devons prier. Rendez-vous au jour du jugement. Apocalypse 22, 12, 16. Arrêtez.